Bon les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui à Kabara, mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec l'ami Dafko. Non, il devient fou. Tu point malade, ni faux dingo. On dit bonjour. Godfroy. Bref, aujourd'hui petite balade entre amis. On va se faufiler un peu dans les allées, voir ce qu'il y a de beau. Rien de fou dans cette vidéo, juste petite balade et on vous partage ça un petit peu. Notre escapade dans les barrages. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud. On y va. Je suis désolé, mais je t'emmène dans un coin. Donc tu t'en bats les couilles. Les cartes. Ah, j'ai vu une casse les cartes. Les cartes. Ah, voilà. Regardez, les touristes s'amusent. Non, on va aller chercher les cartes. Je veux voir s'il y a les cartes. C'est là les cartes. Et tu peux faire des tournois si tu veux. Mais tu veux pas faire des posters? Si, je le veux, mais ils le vendent en plus sur Belkali, mais cher. Combien? 6000, je crois. Voilà. Mais au vu de l'eau, il n'y a pas de carte. Voilà. Bon, bah écoutez, on va tracer. Voilà, pour vous montrer, il n'y a rien. Il y a du Ultimate, Deck. Je l'ai eu à 1000 yens celui-là. Je l'ai à la maison, je vous ferai le déballage. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux. Pokémon! Pokémon! Tu sais même pas ce que c'est? Et regarde les cartes Dragon Ball là. Tiens, regarde les cartes Dragon Ball. T'as mis ou pas? Ah ouais! Regarde la Gohan à 35 000 yens là. Elle est en train de faire le caméra. Tu l'as vu ou pas? Mais c'est quoi? 35 000 yens pour du carton? T'achètes? Non. C'est clair, c'est chaud. L'argent dans autre chose. C'est clair, c'est chaud. J'ai d'autres priorités. Et regardez-le, il est à fond là. Hein? 800 yens. Il veut faire un ticket Sensia. Putain, je suis dégoûté. Il veut craquer pour cette merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah ça y est, je l'ai dissuadé. Ah ouais. Sérieux, tu veux faire un Saint-Sia? Ouais. Elle est toute pourrie. Tu veux Kiki, c'est ça? Iki, voilà. Ikiki. Bon là je vais aller voir un truc, c'est les dépôts-ventes. On sait jamais s'il peut y avoir des figurines customisées pas trop chères, ce qui m'étonnerait au vu de, des touristes. Voilà, on va aller jeter un œil. Tu veux quoi toi? Pokémon. Il devient fou, il me rend dingue avec ce Pokémon. Alors attends, en custom, s'il y a de la figurine sympa. Genre la Milai Gohan qui vient de sortir, à un prix potable mais légèrement refaite, sans les yeux de Majin, ça peut être vachement cool. Voilà, hop, ça c'est du classique. Attends, c'est une repeinte? Mais non! Putain, je vois pas beaucoup la diff. Hein. Ah, il a fait une prononciation au niveau des couleurs, ok, mais je vois pas beaucoup la diff. Pas très cher, hein. Pas très cher. 4 millions, ça va. Franchement, ça va. Vite fait, 80 000, tu me la prends? Non, tu me prends là, 80 000? Ça fait cher. Hein. Mais je suis ton bro, je suis ton bro. Même pas pour ton bro. Bah... C'est vrai, tu le mérites quand même. C'est le mérite. Voilà, ça c'est un frère. C'est un frère. Mais il va pas la prendre, hein, ce bâtard. 14 000, la boîte, toujours en dépôt-vente. Putain, voilà, du custom de Gohan, regardez. 5 500. Custom de Gohan, face à Bojack. Face à Bojack. Voilà. Est-ce qu'il y a du Ultimate? Hop là. De ce côté-là, j'en sais rien. Mais je crois que tout là-bas, normalement, il y a des customs. Je vais aller vite fait jeter un œil. Hop. Dépôt-vente. Là, il y a un vieux Gohan, Goku dégueulasse. Je l'avais défoncé, ça. C'était une quelle merde. Ah ouais, faut du custom. Hein. Et puis, je peux pas trop avancer, ça se bouscule, c'est normal. Et moi, ce que je veux vous montrer, normalement, c'est tout au fond. Hop. Il y a rien. Une custom de Yamato, pas très cher à 6000. Et puis, voilà. Oh putain, la trunk, ça 10 000. Très rare, très rare. On va aller voir de ce côté-là. Ah, regardez, de la repaint. Mais c'est trop prononcé là, trop prononcé, c'est abusé. La Zolo encore ça va, mais là les Dragon Ball, 50 000, 45 000, la Piccolo Daima derrière, regardez. C'est un peu cher, hein. 35 000, je suis pas fan, en fait je suis pas fan de la colo. Ça peut contenter certaines personnes, mais de mon côté, non merci. Allez, on continue un petit peu, on va aller voir de ce côté, vite fait. Hop, on cherche de la repaint. Ici... Avant il y avait plein de petites repaints pas trop chères. Voilà, à l'époque lui il proposait les figurines dans les 2000 yens. Ah bah 2280 yens, tu vois. Ici la Licoum repeinte avec le petit décor, c'est sympa.
La Napa, 4000 et quelques. Putain, elle est toute petite, hein. Toute petite, j'avais oublié. Et je pense qu'on a fait le tour, hein. Ça fait chier quand même. Il y a vraiment trop de monde dans les boutiques. Trop de monde. N'est-ce pas ? Pokémon ! Il me rend dingue avec son Pokémon. Petit bisou, petit dédicace au petit couple voilà, qui traîne dans les parages, qui est venu m'interpeller. Je vous fais un cœur, un bisou. Je vous kiffe. N'hésitez pas à venir discuter quelques minutes. J'adore ça vraiment. Entre passionnés, c'est cool, c'est apaisant, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je te propose une petite salle d'arcade parce que ça fait longtemps. Ah oui, de bien sûr. On va se faire un petit street. Un street. Le combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Tout. Tout. On fait le Alpha, le 0. Ah, ils y sont pas. Ça va ? L'Alpha 3, ils l'ont viré. C'est mon préféré. Ah ouais, il est génial. On va se faire une petite ambiance entre nous, Street Fighter. La bagarre. La salle d'arcade que je vous recommande à chaque fois, c'est Hey. Hein, voilà, on va se poser là-bas, chez Hey, tranquillement. Voilà, vous arrivez ici, en plein centre. Vous voyez le gigot, le fameux pont avec le train. Et puis de ce côté-là, c'est une toute petite entrée, vous allez voir, en orange. Et dedans, il y a du Street Fighter 2, je crois qu'il y a le 3 aussi, 4, 5... Et puis il y a des classiques, voilà, ça reste une valeur sûre du côté d'Akabara. Voilà, vous allez voir ici, vous avez le soft map avec les différentes figurines, le Tamashination en collaboration avec le soft map, et en orange ici le Hey Taito. On est bien. Voilà. Allez, on va se faire. Eh bien, plaisir, un peu de fight. La bagarre. Regarde, il y a les petits chats. Et là-bas, il y a quoi ? Il y a quoi, Dafko ? Pokémon. Je crois qu'il devient fou avec Pokémon. Moi, c'est Gundam, et lui, c'est Pokémon. Gundam ! Regardez-moi ça. Ah, on peut se faire... Tu veux faire quoi, tiens ? Initial D, allez. Initial D ? Ouais, je te tape ta gueule. Crazy Taxi ? C'est un Crazy Taxi, ancienne. Voilà. Non, je sais pas ce qu'on veut faire, là. Je sais pas s'il y a du Mario Kart ou quoi, il y a du shooting. Écran géant là-bas. Je sais pas. Ah, on va se faire un street, hein, pour pas changer. Un petit street tranquille. Là, il y a les Gundam. Il y a du fight. Eh, ils ont tout changé, bordel de merde. Ah oui. Eh, ils ont tout changé. Attends, Samurai Spirits. Ils sont où les Street Fighter à 50e? Putain, Dynamic Cop 2. Ah ouais, qui régale. Ah, c'est le top. Ouais, Capcom versus SNK2. Capcom versus SNK2. Là, tu vas jouer contre un mec ? T'es chaud ? Allez, vas-y. Ce qui est génial, lorsque vous vous posez, si derrière, il y a une personne en train de jouer, en fait, vous interrompez sa partie et puis let's go. Là, on fait du multijoueur local sur Born Arcade. Voilà. Bim, ça commence avec le Sagat et il se fait ouvrir en deux, le petit Dafko. On appelle ça le tourniquet. Le tourniquet de Dafko. Quand il joue au street, même le japonais à côté, il est choqué. Il est choqué. Alors, impression ? C'est nul. Mais en même temps, il a du skill, le bonhomme. Il a du méga skill. Il est vénère. Il a lâché l'affaire juste avant. C'est trop puissant, bordel. Hein ? Ah bah, il t'a bien explosé. Street Fighter 2 ? Tu veux faire un Street Fighter 2 ou pas ? Non. Un super Street Fighter. Non, attends. Je crois qu'il est mort. Street Fighter le film. T'es chaud ? Mais non, ah oui. Il y a des Street Fighter partout. Street Fighter 2 Prime, Turbo, Super, Virtua Fighter 2. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut encore en découdre. Il enlève, il se prépare. Il veut péter des gueules encore. Allez, vas-y, montre-nous un peu ce que tu sais faire, Dafko, à Street Fighter 4. Allez, bim. C'est le ultra, celui-là. Oh là là. Le tourbillon. Regardez, la machine, elle bouge. Il est fou. Il est dingue. Tu l'as atomisé. Il a pas eu le temps de pisser, le gars. Ça, c'est de fou. Atomisation. C'est pour ça, c'est vraiment, vraiment génial. On peut jouer avec des inconnus et s'amuser ensemble. Voilà, tout simplement. Je trouve ça vraiment très, très cool. Attention, qui c'est qui va gagner ? C'est notre ami. Génial. Mais non. Super Dragon Ball Z. L'arcade. Arrête. Ah.
Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce jeu était sorti en arcade. Ça a plus ou moins gueulé au niveau de la communauté, on le veut sur PlayStation 2. Et ensuite, Bandai a tout simplement décidé de porter cette production sur PlayStation 2 qui a fait un énorme bide. Voilà, un énorme bide. Donc c'est un jeu arcade, hein, pur et dur. Hein. Mais génial, putain, je savais même pas qu'ils avaient posé la borne ici. Bon allez, le DAF a gagné et puis je me suis dit, allez, on va le calmer un petit peu. Hein, il est un peu trop énervé. On va passer en mode énervé de mon côté. Je suis obligé de vous montrer ça, mais la taille du truc, l'impression, le dessin un peu vieillot. Mais regardez ma main, minuscule. Voilà, c'est mortel. Bon, on trace. Ça fait du bien. Ah ouais. Ah, ça fait du bien. Franchement, tu te poses avec un pote, bagarre, ça fait du bien. Il a gagné le premier tour, j'ai gagné le deuxième. À la fin, c'était serré, il m'a ouvert le trou de balle en 4. 1, 2, 3, 4. J'ai eu mal. On a fait un fight, on a fait exactement les mêmes combos. Ouais, ouais. Mais quand je dis les mêmes combos, on se connaît par cœur. Ouais. On se connaît par cœur de ouf. Bon allez, on va traîner des pieds encore. Bon, on se pose un petit peu sur l'heure de graille. Qu'est-ce que t'as pris toi, vas-y. T'as pris quoi là? Tu sais même plus, il sait même plus. Deux hamburgers à l'œuf. Attends, je te montre ta gueule. Tiens. T'as mangé quoi? Deux hamburgers à l'œuf. Et le samouraï. Alors ça c'est le truc en ce moment au Japon, samouraï très très salé. Et le burger à l'œuf, il y a du bœuf, de l'œuf, ouais, et du fromage quoi. Ça suffit. Et de mon côté, j'ai pris un McChicken au fromage et un Big Mac classique. Bon ben voilà. Il n'y a plus qu'à dire une chose. Bon appétit. Bon appétit. Bon, on se rend dans ma petite boutique habituelle là où il y a des figurines pas chères, c'est la figurine. Enfin la boutique. La boutique. La moins chère d'Akihabara, vous connaissez ces lieux, sait-on jamais s'il y a le présentateur et le mage junior à petit prix. Voilà, je traîne des pieds là avec le DAFCO, on va aller voir tout ça. Et vous le savez, je tiens à le rappeler, ça se passe au Mandarake, en face, dans la petite entrée, puisque j'ai vu encore des commentaires me dire mais c'est où? Pourtant je le montre dans la vidéo. Mandarake, okay. Là il y a le Mandarake, et là il y a la boutique, en tout petit. Allez viens DAFCO. Quelque chose à dire à nos amis? J'arrive. Allez go. On sait jamais, il peut y avoir des trucs. Regardez, il y a une SMSP à 75 000, c'est taré. Complètement taré. Et moi, ce que j'ai vu, c'est la main junior qui est derrière le comptoir. Je vais aller demander le prix. Hop là, pas besoin de demander, c'est affiché ici, 5 000. Ok, ensuite, j'ai vu ici la Goku. Elle a 7005. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et pour vous montrer les tarifs des figurines du moment, suivez-moi, c'est juste là. Hop là. 3002 ici. 4005. 4008. Et 6005. Mister Satan, ouais, tu veux? Bah, je l'ai très bien, code langue en fait. Bon allez, on va se poser un peu de notre côté, on va vous laisser tranquille. C'était vraiment une petite vidéo vlog détente entre nous. T'as kiffé DAFCO? Ah, Oleji Akihabara, salle d'arcade. On est allé dans la boutique, là, il regardait le film Broly. Bon, bref. Allez, les gens, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Mart Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.